bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, ce matin je me suis réveillée vers 11h30. De base j'étais censée sortir avec ma mère à 8h, mais franchement j'étais tellement fatiguée que je lui ai dit je sors pas, je vais dormir un petit peu. Et en fait j'ai fait un petit truc avec vous sur Snap, c'est que je vous ai demandé de me poser des questions et que j'allais vous y répondre en fait dans ma story. Donc c'était assez cool, franchement c'était trop bien, trop bonne ambiance, vous avez été hyper réactifs, vous avez été hyper nombreuses à me poser des questions. Donc franchement c'était cool, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Snap. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit masque. J'avais envie de me faire un masque aujourd'hui. Et je vais me faire un masque au curcumin pour les points noirs. Bon, j'en ai pas beaucoup de points noirs. Moi, mon seul défaut, en fait, je connais pas. Enfin, il faut que je me renseigne un petit peu sur internet. C'est les pores, en fait, qui sont assez apparents. Et ça, ça me dérange un petit peu. Mais enfin, pas plus que ça. Hein. Mais voilà, sinon, les points noirs, j'en ai pas beaucoup. Mais même si t'as l'impression de pas en avoir, je pense que t'en as quelques-uns. Bon, je regarde pas non plus H24 mon visage pour voir si j'ai des points noirs. Mais j'ai vu que c'était le masque qui fonctionnait de fou pour les points noirs. J'aurais besoin de farine, de lait, de curcumin et un peu d'huile d'olive ou de l'huile de coco ou bah ça dépend, il y a plusieurs huiles qu'ils avaient proposées, huile de jojoba je crois, mais moi vu que j'ai pas ça je vais prendre de l'huile d'olive. Bon, petit changement parce que j'ai pas de curcumin, donc ce que je vais faire un masque pour atténuer en fait les pores dilatés. Donc j'aurais besoin pour ça, j'ai tout donc c'est cool, de farine de blé, donc 3 cuillères de farine de blé, d'un demi citron jaune. Donc en gros tous ces ingrédients, qu'est-ce que ça apporte? Donc le citron c'est un grand astringent idéal pour traiter l'excès de graisse, les points noirs et les points dilatés. Le blé est incroyablement bénéfique pour la peau, il dispose de zinc, de vitamine E et de vitamine du groupe B. Cela nous apporte des nutriments qui atténuent l'effet gras hydraté, donne de l'élasticité et ferme les pores ouverts. Donc voilà. Il suffit de former une pâte suffisamment épaisse pour appliquer sur le visage en mélangeant la farine, l'eau et le citron jusqu'à que tout soit bien homogène. Appliquez pendant 20 minutes donc sur le visage, essayez de ne pas bouger, d'accord. Retirez ensuite à l'eau fraîche, puis appliquez votre crème hydratante habituelle. Parfait pour le soir, 2 fois par semaine. Bon, je le fais la journée parce que j'ai rien à faire et parce que je veux absolument me faire un masque, mais je savais pas quoi. J'avais d'autres masques mais j'avais envie de me faire un masque maison. Donc voilà, je vais faire tout ça et on va voir ce que ça donne. Je vais rajouter une toute petite cuillère à l'huile d'olive parce que bah, l'huile c'est toujours bon hein, pour le visage. Autant en profiter. Donc voilà, en gros la matière elle est comme ça, enfin la texture, c'est une pâte quoi. Voilà, voilà, c'est juste pour vous montrer, pour que vous faites une petite idée en fait de la texture que vous devez avoir si vous voulez le faire. Vu qu'on peut le laisser 2 jours au frigo, je vais le mettre au frigo vu qu'il y en a encore pas mal. Je vais peut-être le refaire demain ou après-demain, ou même je vais demander à Youp s'il veut, il veut en mettre un petit peu. De chez Chloran que je vais tester, on va voir ce que ça donne. Ok, il sent trop bon, il est vraiment bien parce que j'ai déjà testé ceux de la marque Baptiste et il est vraiment top. Oh, il sent super bon. Plateforme Octoly qui me l'a envoyé et c'est spécial en fait pour cheveux châtains celle-ci. Bon, j'ai pas les cheveux vraiment châtains mais franchement elle est vraiment trop bien. D'ailleurs vous me l'avez dit sur Snap qu'elle était bien. Je suis grave contente. C'est hyper pratique les shampoings secs, n'empêche. En fait, je sais pas si vous remarquez, mais ça fait grave du volume. C'est trop bien. À la fois que ça te les semi-nettoie. Mais vous voyez, n'empêche tout de suite que c'est beaucoup moins gras. Hein. Tout à l'heure, c'était un peu plus gras. Ma tenue du jour, donc j'ai mon haut qui vient de chez Bershka. Voilà, que j'avais acheté en solde. Hein. Mon jean de chez Stradivarius. Mes petites Palladium. Et mon petit sac. Voilà. La tenue, elle ressemble à ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu de parfum. Je vais mettre mon parfum de chez Yves Saint Laurent. C'est celui-ci.
J'en mets jamais sur ma peau. Bon, là, je pars à Auchan avec ma maman. Coucou. Et je vais chercher aussi mon colis parce que je l'ai mis en port relais à Auchan, que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, je vais aussi regarder au passage les GoPro s'ils en font à Auchan, mais je pense qu'ils en font. Mais je vais juste regarder les prix. Que je vais voir ça. Et si je trouve quelque chose, bah, je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure. C'est ces deux fonds de teint que j'ai commandé de la Girl Cosmetics France. J'ai pris deux teintes pour être sûre, mais malheureusement celle-ci, je pense qu'elle sera beaucoup trop blanche pour ma peau. Celle-ci, je pense que c'est bon, je les ai testées, enfin juste sur le poignet. Faudrait que je vois sur le visage. J'avais vu une vidéo en fait de Sandrea qui en parlait, qui disait que c'était le titre de sa vidéo, c'était en gros le fond de teint le meilleur du monde. Avec un point d'interrogation. Et effectivement, elle disait qu'ils étaient vraiment super bien sur ceux qu'elle avait testés. Surtout, niveau qualité-prix, ils sont vraiment top. C'est vrai, parce que, comme je vous ai dit, je les ai achetés à 10,99€. Ou 9,99€, je sais plus. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. Parce que c'est vrai que les fonds de teint, c'est pas toujours donné. Donc voilà, je suis contente. Si vous connaissez cette marque, dites-moi. Bon, je vous retrouve maintenant pour clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je tenais vraiment à vous remercier encore énormément pour tout le soutien que vous m'apportez tous les jours, pour tous les messages que je reçois sur Snap, c'est genre juste la folie, franchement merci infiniment. Je parle pas trop fort parce qu'Ayoub il est en train de dormir, mais au passage j'espère vraiment que ce vlog il vous aura plu, que bah, tous mes vlogs vous plaisent, que vous prenez plaisir vraiment à regarder mes vidéos, c'est vraiment la base pour moi, c'est que voilà, dès que vous regardez mes vidéos, c'est vraiment je veux que voilà, que vous kiffez, que bah voilà, que vous aimez les petits moments de ma journée que je partage avec vous. Voilà, tout simplement, merci infiniment vraiment pour tout. Franchement, merci beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, moi je vais aller dormir parce que demain je me lève tôt. Demain j'accompagne ma maman, elle va aller faire un petit tour à Choisy-le-Roi au marché. Et moi j'aimerais bien passer faire mes ongles aussi. Et voilà, donc moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Dans un nouveau vlog, ciao.